Edonia Radio, l'agenda. Et dans l'agenda, une date importante pour l'association SOS Amitié, c'est le jeudi 26 septembre à 20h. SOS Amitié a besoin d'écoutants bénévoles et propose donc une réunion d'information à la Maison des associations de La Rochelle. Pour nous informer, nous sommes avec Hubert Sévin, vice-président de SOS Amitié La Rochelle. Bonjour. Bonjour. Alors pour rappel et pour les rares personnes qui ne connaîtraient pas encore SOS Amitié, pouvez-vous nous rappeler le but de cette association ? Alors SOS Amitié, ben tout d'abord c'est une vieille association, elle a plus de 60 ans en France et plus de 40 ans à La Rochelle, qui est à l'écoute des personnes en souffrance, des personnes qui sont dans la solitude, des personnes qui ont des problèmes psychologiques, etc., qui sentent le besoin d'appeler. Donc c'est une écoute qui est anonyme, bienveillante, sans jugement et centrée sur la personne qui appelle. Voilà, et donc si on se sent dans le besoin, on rappelle le numéro 05 46 45 23 23. Mais là, on n'est pas là pour promouvoir ce côté écoute, on est là pour trouver des écoutants, justement. Vous avez besoin d'écoutants bénévoles, vous avez besoin de monde pour gérer cette association. Eh bien oui, parce que nous sommes à l'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc on a beaucoup beaucoup d'appels. Juste un chiffre, hein, c'est SOS Amitié au niveau national, c'est 3,5 millions d'appels par an. D'accord. Donc c'est vraiment énorme. Et donc on se relaie à l'écoute de manière bénévole, en général sur des créneaux de 4 heures. Okay. Donc toute la journée, toute la nuit. Et on répond pas à tous les appels, loin s'en faut. Donc on a toujours besoin de plus de bénévoles. D'accord. Et justement, si on veut s'engager auprès de vous, quelle qualité il faut avoir et ça va nous prendre combien de temps par mois ou par semaine ? Alors, les qualités. Bah écoutez, c'est des qualités, j'ai envie de dire, d'ouverture d'esprit, d'acceptation de l'autre, d'acceptation des différences, d'être capable d'écouter des choses sans les juger. Hein. Oui. Parce qu'on est avant tout des écoutants, on n'est pas là pour donner des conseils, on n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire. On est là pour tendre l'oreille avec bienveillance. Une fois que vous aurez sélectionné quelqu'un, il y a une petite formation ? Alors, il y a une formation même assez sérieuse, hein. C'est oui. Plus qu'une petite formation, parce qu'en gros, on a 30 heures de théorie et 30 heures de pratique, donc ça fait quand même un beau volume. Alors, ça se passe en gros entre novembre et avril, de façon extensive, bien sûr. Mais donc, la formation, justement, va apprendre aux futurs écoutants à écouter. D'accord. Parce que ce n'est pas une écoute habituelle comme on fait au téléphone avec des amis ou des voisins, c'est un peu différent. Et le bénévole devra s'engager sur combien d'heures par semaine ? Alors, donc les créneaux horaires, en général, ils sont assez libres. Ça peut être n'importe quand dans la journée, mais en gros, en moyenne, c'est 4 heures par semaine. Par contre, on demande aux personnes, enfin, dans ces 4 heures par semaine, bien sûr, hein, c'est pas plus que ça, mais de faire une nuit par mois. On insiste D'accord. beaucoup sur cette nuit parce qu'il n'y a pas assez, non seulement, en règle générale, on n'a pas assez d'écoutants, mais la nuit, on en a encore moins. Donc, on insiste beaucoup sur la nécessité de faire une nuit par mois. D'accord. Alors, si on est intéressé, si on a donné envie à certains de vous joindre, ça se passe comment ? Sur le site sos-amitié.com. Alors sur le site, voilà, exactement. Sur le site, il y a tout ce qu'il faut. Hein, en cliquant sur La Rochelle, il y a tout plein de renseignements, un formulaire à remplir pour ceux qui sont intéressés. On a aussi un numéro de téléphone pour les personnes qui veulent plus de renseignements au téléphone ou s'ils ne peuvent pas assister à la réunion du 26 septembre. Donc je donne ce numéro, c'est le 06 52 83 30 44. Écoutez, Hubert Sévin, merci. On rappelle donc la réunion d'information pour devenir bénévole écoutant pour SOS Amitié à La Rochelle. C'est le jeudi 26 septembre à 20h à la Maison des Associations à La Rochelle. On met le numéro de téléphone sur notre site edoniaradio.fr. Tous les renseignements sur sos-amitié.com et on vous souhaite une bonne réussite dans ce projet. Merci beaucoup et bienvenue à tous les futurs écoutants. Edonia Radio.